y a une interview de ta mère dans un journal où elle a dit que tu n'étais plus son fils, qu'elle te reniait, que tu étais en griffe, hein, un enfant maudit et tout. Qu'est-ce que tu en penses même déjà? En fait, quand ma maman a fait ça, j'étais dans une période de problème. C'est-à-dire qu'il y avait Baby Philippe. Et dans Baby Philippe, il y avait en même temps Chola. Donc j'étais deux fois à la PJ pour deux problèmes. Et en même temps, elle aussi, je l'ai prise pour essayer de venir me soutenir. Et elle s'est comportée comme ça. Mais qu'on le veuille ou pas, c'est ma maman, c'est elle qui m'a donné la vie. Mais moi, je n'ai pas fait d'interview, je n'ai pas répondu à ça. Je ne sais pas si les gens ont remarqué. Je n'ai rien fait. Mais elle et moi, quand elle m'a appelé, elle m'a demandé pardon. Et que le jour qu'elle a fait ça là, elle a bu. Et que moi, je suis son fils, son seul garçon. Que moi, quand je suis là, je ne la calcule pas, elle ne me voit pas jusqu'à elle m'a en France. Je lui ai fait comprendre que ouais, c'est parce que je suis trop occupé, je suis trop chargé. Mais néanmoins, chaque semaine, je fais tout et je donne un peu d'argent à ma maman. Même si ce n'est pas moi qui vais, je donne l'argent à l'un de mes amis. Au moins 150 000, 200 000 à lui donner à la vieille. Quand elle récupère ça, elle est contente parce qu'il y a la famille, tout ça. Moi, je suis seul. C'est moi qui gère un peu tout le monde. Mes soeurs, mes frères, quelques de mes frères, pas à part TV3. Puis bon, donc voilà, je lui ai fait comprendre, il m'a présenté ses excuses. Elle est partie au village pour me démaudir. Parce qu'elle m'a maudit, elle allait me démaudir. Et puis bon, aujourd'hui, on s'entend. Et là même, hier, on était en studio, on est en train de faire son dernier album encore. Et c'est moi qui finance. Ah, félicitations, merci déjà.